Plus en plus l'Halloween par ici. Je crois pas qu'on donne des bonbons ici. L'Halloween hanté. Est-ce que je vous ai manqué? T'as découvert un pantin qui marche et qui parle et tu m'en as même pas parlé? Je sais, mais au début, il avait l'air vraiment gentil. Il bouge. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse apparaître petit et mignon? Sonny, c'est juste des bonbons. Salut les enfants! Waouh! Vous avez mis le paquet là. C'est un peu trop? Non! Ouais. Ouais. Couchez, Greg. Écoutez ça. Des phénomènes mystérieux se sont déroulés récemment à Madison dans le Delaware. La ville a été envahie par les créatures des manuscrits originaux de R.L. Stein. Le livre. Quel livre? C'est un chair de poule. Il y a une serrure. C'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as fait? Il est grand temps qu'Halloween dure pour toujours. Ils ont pas l'air contents. Attention! Attendez une minute. On est en train de vivre une aventure de chair de poule, là? Il paraît que c'est à hurler de rire. Les monstres d'Halloween sont vivants. Ouais, c'est trop cool. C'est vraiment ma fête préférée. Tu vas avoir besoin d'aller voir un psy après ça. Le livre, c'est le seul moyen de les renvoyer chez eux. C'est parti. Eh ben, s'il y a un concours de déguisement, c'est lui qui gagne. Chair de poule 2, les fantômes d'Halloween. Oh, c'est des petits nounours.